1 Roi chapitre 17, verset 1. Écoutez bien. Vous connaissez tous le prophète Élie. Amen. Donc, écoutez bien. On dit Élie, 1 Roi 17, verset 1. Élie, le roi, on lit ensemble. Le Tishbite. On n'a pas dit Élie, le serviteur de Dieu. Ça va dire. On dit Élie le Tishbite, comme on va dire missionnaire Israël, l'Israélien. Est-ce que vous comprenez? Élie le Tishbite. On n'a pas dit Élie loin de Dieu, le serviteur du Dieu vivant, le prophète de l'Éternel. On dit le Tishbite. Allez, le bébé, le baouleux, le lipois. Donc ça vous dit quoi? Il n'était même pas appelé à être prophète. Il n'était même pas dans le plan de Dieu. Il était un citoyen ordinaire. C'est ça que vous ne percevez pas dans cette affaire de vase d'honneur. Donc il était un vase de poids et de terre qui après un temps allait mourir et allait oublier à jamais, comme beaucoup. Il dit l'un des habitants de Galate. L'un des habitants. Allez, l'un des habitants de Koumassi, de Bangui. Voilà. Une personne quelconque. Il dit à Akab. Parce que le roi Akab était en train d'emmener le pays, le royaume de Dieu, le royaume d'Israël, à la dépravation. Parce que Spyroï s'est marié avec Jézabel. En fait, elle, c'est une femme physique. Mais en fait, on appelle ça un esprit humain de sorcellerie. Elle est physique, mais elle est investie de la sirène des eaux. Donc, elle avait le pouvoir de la sirène des eaux. Donc, elle a envoûté le roi Akab. Donc, on faisait ça. Pourquoi elle est prophète de Baal. On faisait Israël a oublié la voix de Dieu. Ils ont pris la voix de l'idolâtrie. Ils faisaient les sacrifices, l'abomination. Donc, Dieu dans les cieux, Israël, le peuple loin de Dieu, le peuple pour lequel Dieu s'est révélé, il a divisé la mer rouge, il les a fait traverser. Aujourd'hui, ils sont dans sa gloire. Et voilà que le roi Akab, descendant de Salomon, de David, lui vient et il prend tous les tâches qui donnent son diable. Dieu, qui va m'enlever Israël de la main de l'ennemi? Qui va se lever pour sortir mon peuple de cette épreuve, de cette épreuve du diable? Il n'y a personne. Pourquoi il disait dans sa parole, qui enverrai-je? Israël est perdu. Satan règne. Satan règne. Mais personne ne réagit. Les prophètes sont cachés. Tout le monde a peur de Jézabel. Tout le monde a peur d'Akab. Il y a un homme qui se lève du nom. C'est là la différence entre les vases d'honneur et les vases vides. Il dit non. Moi, il dit. Il n'était pas au moins, il n'y avait même pas l'Esprit de Dieu sur lui. Un seul habitant. Il dit. Écoutez bien. Il dit à Akab, il a regardé le roi. Il dit, ça ne peut durer. Il dit, ça ne peut durer. Il dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant signifie, je prends Dieu à témoin de ce que je vais déclarer. Et que j'engage la responsabilité de Dieu. Pourtant, on n'a pas Élie le serviteur de Dieu. Mais le royaume de Dieu est perdu. Comme aujourd'hui, le peuple de Dieu est perdu. Aujourd'hui, l'Église est prise sous l'emprise du diable. Les chrétiens souffrent. Les chrétiens sont malheureux. Les chrétiens ont des difficultés pour s'en sortir. Satan, ouais, il y a le feu. Il y a le feu dans le foyer. Il y a le feu dans la vie des enfants de Dieu. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Personne. Tout le monde est concentré. Il faut que je me marie. Il faut que je travaille. Il faut que mes enfants voyagent. Il faut que je sois béni. Il faut que mon mari soit bien avec moi. Personne ne se préoccupe du sort du roi de Dieu.
Amen. 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 Et il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Vous voyez, Israël n'appartenait plus à l'Éternel. Satan s'est accaparé de ses royaumes. Et Élie prononce la parole de Dieu. Il revendique la royauté de Dieu sur le royaume d'Israël. Il dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, quand je suis le serviteur, c'est lui-même qui s'est proclamé. Ça veut dire quoi? Il a changé de retour en esprit. Il était un simple citoyen comme tu es actuellement. Mais tout part de ta décision. On n'impose pas quelqu'un de devenir ambassadeur. De comprendre l'utilité pour son ministère, pour son œuvre, pour ses âmes qui sont perdues. Il dit, quand je suis le serviteur, il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. Acclamez le Seigneur. Vous rejetez l'Éternel. Vous abandonnez mon Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui qui a payé le prix pour nous. Qui est descendu. Qui a rempli de sa puissance Moïse. Et grâce auquel nous avons traversé pendant 40 ans, il est écrit que leurs chaussures ne se sont point aisées, ni leurs habits. Montre-moi dans le monde un couturier qui va faire un habit. Pendant 40 ans, tu vas porter le bruit dessous. Sans que ça se déchire, sans que ça suive, si ce n'est pas la gloire de Dieu. Et ce Dieu-là, on l'abandonne et personne ne réagit. Il dit, moi, je ne mange pas les chauffeurs. Donc Dieu, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Donc la pluie qui tombe sur le peuple d'Israël et même qui fait que les plantes poussent et les hommes mangent, ils sont heureux. Je dis, sur la base de toi, ma pluie soit éternelle. Que la pluie s'arrête, que la rosée s'arrête. Sinon, ma parole. Une prière comme ça, comment tu vas parler? Ce n'est pas la puissance de Dieu. Quelle décision as-tu pris? Regarde tes parents. Regarde tes amis. Regarde tes frères. La vie qu'ils mènent. Mais quelle décision tu prends? Quelle décision prends-tu? Beaucoup disent, mais Élie était quelqu'un de trop puissant. C'est pourquoi il a pu arrêter la pluie. L'un des apôtres les plus durs de l'évangile, parce qu'il était très faible sur la parole, nous donne la révélation. C'est dans le livre de Jacques 5 au verset 17. Je vais lire rapidement. Et je vais lire Jacques 5, verset 17. Et c'est lui qui va nous donner la révélation sur l'identité spirituelle d'Élie. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques vient de clore le débat. Donc, l'homme qui a demandé qu'on mouille l'autel, il a arrosé, Et puis il a levé les mains au ciel. Le feu est descendu du ciel. Ce temple-là était quoi? Il était quoi? De la même nature que nous. Donc ce n'était pas un super homme, non. Il est de la même nature que nous. Et alors ce qu'il dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est parti de sa décision de changer le destin d'Israël. Si aujourd'hui on parle d'Israël, c'est grâce à Élie. C'est grâce à ce homme qui était un homme ordinaire comme toi qu'aujourd'hui le peuple d'Israël, la nation d'Israël,
Parce que sachez une chose, si Israël disparaît, toute la Bible est fausse. Parce que Jésus doit revenir à Jérusalem. Donc il était primordial que ce peuple, ce royaume-là, subsiste jusqu'à son retour. Mais Satan s'était accaparé de ce royaume. Mais par un seul homme, il a ordonné et Dieu a agi. Ce soir, ce message s'adresse à toi. Ce message s'adresse principalement à toi qui aspires à de grandes choses. Je te dis et te confirme qu'il est disposé à t'accorder toutes ces choses. Mais la condition, c'est qu'il faille que tu sois un vase d'honneur. Il faille que tu sois utile à son œuvre. Utile à son œuvre. Ne te dis pas, je n'ai pas d'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de millions pour faire des prodiges. Lorsque Élie allait voir la veuve, il lui a dit, donne-moi à manger. Elle dit, non, le peu que j'ai, c'est pour moi et mon enfant. Satan te fera voir que ce que tu as ne peut pas te suffire. Donc tu ne peux pas donner à Dieu. Donne-moi ta voix à manger. Elle était comme vous. Son enfant, ils sont dans une période de famine. Elle donne à l'homme de Dieu, son enfant ne mange pas assez, il meurt. Regardez le sacrifice qu'elle a posé. En lui, il avait la capacité d'amener la grâce. Mais cette grâce, il fallait qu'elle change de statut. Elle était un vase vide. Parce qu'elle voulait faire quoi? Prendre cette farine et l'huile pour son propre usage, vase vide. Qui n'était pas utile à Dieu. Imaginez pour un seul instant, si elle faisait en désobéissant à Élie, qu'est-ce qui se passait? Elle voulait. Élie, il était dans le désert, les corbeaux venaient lui donner à manger. Donc Dieu allait reprendre ce plan. Donc le vase vide ne peut jamais amener de miracle dans ta vie, jamais. Souvent vous voyez, quand vous venez à la prière, quand vous venez dans l'œuvre, et à un moment vous lance l'appel. Ou on peut te dire, Dieu, il faut servir Dieu. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Je vous le dis, ce ne sont que des apparats. Sinon, en arrière-plan, il veut te transformer en vase vide pour te bénir. Elle était un vase vide. La mort planait sur sa vie. Dieu envoie tous ses leaders. Lui va la rendre en vase d'honneur. Mais la décision vient d'elle. Elle peut dire non. Je perds l'intérêt de moi et mon enfant. Elle m'a dit, si on met ça, on meurt. Donc elle sait qu'après ça, il n'y a plus rien. Mais le serviteur de Dieu est là. Lui a le miracle. Lui, il veut transformer ton vase vide en vase utile. Et le vase utile, Dieu la provisionne toujours. Voilà le dilemme dans lequel ils étaient. Mais la Bible dit, la sagesse l'a habité. Elle a donné. Il a mangé. Comme elle a changé de vie, de statut spirituel, elle est devenue un vase d'honneur. Le pauvre avait la farine, ils étaient reliés à sa nature de vase quoi? Vase vide. Or, le vase vide amène la pauvreté dans ta maison. Le vase vide amène la maladie dans ta maison. Dès qu'elle est connectée à spirituellement, en passant du niveau de vase vide au niveau de vase d'honneur, parce qu'elle a préféré sacrifier sa vie, celle de son enfant, et mettre en priorité la vie de l'homme de Dieu. Bien vase d'honneur. Bien vase d'honneur. La grâce est descendue dans sa maison. La Bible dit, le pot se trouvait la farine, débordait l'abondance. Un vase d'honneur ne mentit pas son père. Un vase d'honneur déclenche des trucs pourris. Sa vie et sa compagne sont toujours remplis. Les gens me disent ça, mais dites-le, ça ne s'inquiète pas comme ça. Il y a un prix à payer. Tant que tu as un vase vide, tu ne peux pas expérimenter ça.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtons! Arrêtons! Arrêtons de résister! Arrêtons de retenir nous-mêmes la propre bénédiction et l'empêcher de croire. Quelqu'un passe vivre. Dieu t'amène en Iba auprès de son serviteur pour te changer de niveau. Pour que de ce vase de bois, de ce vase de pierre que tu es, ce vase de terre, il fasse de toi un vase fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu veut faire de toi un pasteur. Dans la maison du vase d'honneur, il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de célibat. C'est pourquoi il est dans ma maison. Il parle de la maison du vase d'honneur. Quand vous récitez, même les prêtres, les pasteurs, lorsqu'ils récitent ce passage, qu'ils sachent qu'il s'agit des vases d'honneur, non des vases vides. Comme ces millions de personnes vont passer leur vie à s'occuper de leurs propres besoins et un jour regagner le ciel sans avoir impacté leur famille, sans avoir impacté leurs proches, leurs amis. Après 5 ans, on t'oubliera. Et cette preuve, regardez, en 2016, dans un petit pays, dans une petite commune, son nom encore. Après plus de 2000 ans, ça c'est 2000 ans à partir de Jésus. Or, l'époque de lier Jésus, mais son nom est là. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un choix. Quel choix tu décides? Parce que c'est ce choix d'abord qui va déterminer ta volonté à vivre dans la sanctification. C'est ce choix d'abord qui va déterminer ta volonté à obéir aux lois qu'on va te dire. Mais il a dit, honore ton Dieu, soutiens-le, viens t'investir dans le. C'est d'abord ce choix. Est-ce que je veux être un vase d'honneur? Est-ce que je veux être dans la gloire de mon Père? Ou je veux être un vase vide, inutile, qui ne sert qu'à être détruit? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Il est présent. Tu sais qu'il est présent. Tu sais qu'il est présent. Il est présent. Il est présent. Oh my God. Ne change pas Christian. Ne change pas. Merci Saint-Esprit. Il est présent. Dans le psaume 105. Voilà ce que l'Éternel dit sur ceux qui sont des vases d'honneur. Ceux qui ont décidé de tout laisser, de mettre en priorité l'intérêt du royaume. Je vous l'ai dit et je l'ai répété. Le vivant n'est pas une église, n'est pas un temple qui est seulement là pour dire je viens ressusciter. Et puis on finit le dimanche en rap. Nous avons pour mission de transformer cette nation en véritable adorateur. Il faut que les chrétiens manifestent.
manifeste le règne de Dieu. Et pour cela, Dieu va susciter des hommes, des femmes, qui sont des bonnes filles, des bonnes de vous, des bonnes bonheurs. Jésus. Somme 105. Verset 24. Il dit. Il rendit son peuple comment? Alléluia. Il rendit son peuple très fécond et quoi? Et plus puissant que ses adversaires. Ah. Donc, quand tu as dit la Dieu, tu es fécond. Il va déposer ce potentiel en toi. Mais ce n'est pas pour t'asseoir avec. C'est pour fructifier cela. Amen. Chacun de vous a un potentiel de Dieu. Il y a des choses communes qui nous donnent la richesse. Ce Dieu, il n'y a pas un qui est riche, un qui est pauvre. Le riche, c'est celui qui tient avec ses biens. Le pauvre, c'est celui qui donne. Voilà ce que Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Je suppose qu'il a donné ce enseignement ce soir. Avec l'auditoire que j'ai ce soir, c'est que cet auditoire est prédestiné pour être basse d'honneur. Ne fais rien au hasard. Il y a des vases d'honneur ici. Mais jusqu'à présent, ils sont comme la veuve qui hésite entre son enfant et le serviteur. Entre ses besoins et l'œuvre de Dieu. Est-ce que je fais ce pas ou je reste? Acclamez le Seigneur. Parce que si Dieu voit qu'en te bénissant, ça ne va pas produire que tu vas manifester la sérénité et l'été à la grâce. Est-ce que vous comprenez? La grâce était suspendue sur la fille de Anne, la mère du prophète Samuel. La grâce de l'enfantement était suspendue sur sa vie. Mais elle était un vase quoi? Fille. Parce qu'elle voulait avoir cet enfant pour un seul but. Faire la rivalité avec sa co-épouse Pélina. C'est tout. À ce niveau-là, Dieu dit, je ne peux pas te bénir. La Bible déclare pendant 7 ans, elle allait à Chilo prier son mari. Pour quel intérêt tu fais ça? Si c'est pour que tu sois vu, que tu sois admiré, je te le dis en vérité, tu ne seras pas exaucé. Mais si c'est pour que, au travers de cela, le ministère soit glorieux, des âmes soient sauvées, la gloire de Dieu se répand dans la vie des enfants de Dieu, je te dis amen, ma fille. Elle voulait un fils, Dieu voulait un prophète. Pendant 7 ans, il luttait. Donc, je te parle ce soir. Tu as pas une bénédiction. Tu as pas une grâce. Si elle ne s'accomplit pas, quel est le motif pour lequel tu attends cette grâce? Gratte au fond de toi. Interroge-toi véritablement. Quelles sont mes motivations pour lesquelles je veux me marier? Je veux prospérer. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux la richesse. Je veux ceci, je veux cela. Pourquoi? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je demande? Lorsqu'elle a saisi cela, elle a dit, Seigneur, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, elle n'est plus mon enfant. Elle dit plus, je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Donne-moi mon enfant. Elle a fait un certain zéro. Chilo n'a pas changé. Élie n'a pas changé. Elle vient zéro. Après les 7 ans, le Saint-Esprit renouvelle son intérieur et lui dit, arrête de demander pour toi-même. Parce que tu es un vase inutile à l'œuvre de Dieu. Dieu va te donner un enfant. Tu as appelé un grand destin. De toi doit sortir un prophète qui va être établi sur Israël, par lequel il va établir le premier roi d'Israël. C'est à ce moment, en réfléchissant par l'Esprit Saint, elle entend cette voix qui lui dit, demande un prophète. C'est à ce moment, elle dit, Seigneur,
si tu me donnes cet enfant, je te le donne pour qu'il te serve. Et beaucoup ne comprennent pas la portée de ce qu'elle a dit. À cette époque, quand tu dis, c'est un peu ce qu'on voit, on voit mieux ça chez les prêtres. Quand tu dis à une maman, quand ton fils va devenir prêtre, ça vient de le voir. Il dort là-bas, il grandit là-bas, il mange là-bas, il meurt là-bas. Quand ça a été facile pour elle, c'est le même cas pour la vieille dame. Donc, ce que nous devons comprendre, pour passer du cadre de vase vide à vase d'honneur, il faut beaucoup de courage. C'est une épreuve où on souffre. Quand je vois, quand on va finir tout à l'heure, on va dire, il faut venir, vous êtes en train de faire le pas. Vous changez d'identité. Mais c'est à vous et destiné ce que le psaume 7 dit. Il vous rend fécond. Il augmente vos bénédictions. Votre vie et votre corbeille sera toujours remplie. Vous serez toujours à la tête. Ça, ce sont les effets de ceux qui sont des vases. Que cela soit pour vous dans le nom de Jésus. Amen. Que cela soit pour vous dans le nom de Jésus. Que cela vous soit accordé dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous visite ce soir au nom de Jésus. Et qu'il fasse de vous des vases d'honneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas parler à ton Dieu. Pendant ce mois de groupe, dans un cantique d'adoration, tu vas parler à Dieu. Comme il a dit, il ne peut pas t'imposer. Il ne peut pas s'imposer à toi. Il ne peut pas t'obliger. Mais il te dit ce soir qu'il attend de voir cette décision que tu prendras d'être un vase d'honneur pour lui, de changer de vie, de changer de statut spirituel, d'être utile